Salut, Gérif. Cette tempête me rend un peu nerveux, alors j'ai bu un petit coup, puis voilà. La diligence arrive quand? En général, à peu près vers minuit, mais avec cette tempête, je sais pas. Oui, à Little Fort, le pont est inondé. Ils vont être obligés d'attendre ici que la tempête s'arrête. Ils ont à une chambre. Oui, non, parce que j'ai voyagé toute la nuit et je voudrais faire un somme avant qu'ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, je préfère toujours prévoir, au cas où. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit ici d'où je puisse surveiller cette salle? Chambre 6. Ma chambre. Oui, tu vois ce petit trou au plafond? Ouais. Tout ce que tu aurais à faire, c'est tirer le tapis sur un côté. De cette façon, tu verras le moindre recoin de cette pièce. Eh, mille coyotes, c'est exactement ce que je voulais. Appelle-moi quand la diligence arrivera, Hank. Oui, je tâcherai de pas oublier. Je t'ai pas dit, mais il y a deux lits, alors choisis-en un. Eh, bonne nuit, Hank. Bonne nuit, Jack. Par la barbe du Seigneur, sacrée nuit, Hank. J'aimerais une chambre avec un chauffage. Je suis complètement frigorifiée et je voudrais pouvoir me préparer une bonne tasse de thé chaud. Assurez-vous, toutes les chambres sont équipées de poêle à charbon. Voilà votre clé. Vous n'avez qu'à marquer monsieur et madame votre nom et puis vous signez là. Je suppose que vous aimeriez la chambre nuptiale. Combien? Eh bien, je demande toujours $2 pour la chambre nuptiale. Vous savez, cette chambre est la meilleure de l'hôtel. Ah oui, s'il vous plaît, tâchez d'être très calme. Votre voisin doit être debout à 5 heures. Salut, Hank. Bon Dieu, me voilà trempé comme une soupe. Mets ça à l'abri, Hank.
Et à 4 000 $. Ouais, c'est les salaires des gars de la mine. Tu peux dormir tranquille. Il faudrait emporter le coffre pour récupérer l'argent. À demain, Hank. Bon, eh ben, bonhomme, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas où c'est. De quoi? J'ai oublié. As-tu perdu quelque chose? Non, j'ai rien perdu. Bien. J'aimerais beaucoup savoir ce que t'arrives pas à trouver. Ben, je savais, c'est le... Enfin... Oui. Oui, ah. Voyez, c'est... C'est comme je te le dis, shérif. C'est bon d'être jeune, hein? Tu sais, je crois que j'ai fait tout le voyage pour rien, Hank. Je vais te dire, on m'a prévenu que la bande des petits pois rôdait dans le coin. Bah, ils viendront sûrement pas avec une tempête pareille. Tu peux attendre ces gars-là partout où il y a de l'argent à prendre. C'est bien. C'est la bande des petits pois qui est là. On t'avait donné un bon tuyau, shérif. Mais comment ils ont eu la combinaison? Ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Mais on dirait que c'est la combinaison, je crois bien. Ouais, ces bandits devaient être à la fenêtre quand t'as ouvert la porte. Ça sert à rien de les suivre en pleine nuit. Non, mais demain ils seront sûrement très loin. En tout cas, j'y passerai peut-être toute ma vie. Je finirai bien par les avoir.
Si vous bougez, je vous troue la peau. Et rangez-moi ce pistolet. Ça va? Vous n'avez rien à craindre, grand-père. Vous arrivez juste à temps pour déguster mes haricots. Asseyez-vous. T'es un malin, toi, pas vrai? Non, juste méfiant. Vous auriez pu être de la bande des petits pois ou un autre bandit qui défrait la chronique. Ouais. Qu'est-ce qui te dit que j'en suis pas, hein? Vous n'en avez pas du tout l'air. Venez manger, maintenant. Les haricots sentent vraiment très bons. Mais ils sont bons, servez-vous. Bon, on dirait que t'as la gâchette facile, fiston. Oh non, grand-père, un réflexe, rien de plus. Alors contrôle-toi, tu veux? J'ai là un médicament. Oh, rassure-toi, fiston, c'est radical contre l'énervement. Je pense que c'est peut-être l'occasion rêvée de goûter à cette bibine. T'es partant. Eh ben, dans ce cas particulier, je cède. Allez-y. Dis-moi, ça te gênerait que je passe la nuit ici? Non, grand-père. J'apprendrai à mieux vous connaître. Moi, j'en suis pas aussi sûr. Enfin, bref. À ta santé, mon grand. À la vôtre. Est-ce que vous avez croisé Mason et le convoi? Non, juste un gros nuage de poussière dans la vallée. Peut-être bien aller hors la loi, non? Ah, ce serait très étonnant. Comment donc aurait-il appris que Mason emprunte cette route? Bah, ils l'ont toujours su jusqu'à maintenant. Moi, je vous dis qu'il y a un vendu dans ce village. Faudrait le coincer. Oui. Nous devrions recevoir une réponse de Sacramento. La lettre est partie il y a 3 semaines. Tu parles. Le gouvernement se fiche pas mal de ce qui peut nous arriver. On doit se faire justice nous-mêmes. Oui, mais vous ne pouvez pas vous battre sans armes ni munitions. Non, je crois qu'on ne peut rien faire. Ils sont juste en train de passer le col. Très bien. Vous connaissez les ordres. N'oubliez pas, hein, ne faites pas de mal à la fille. Aucun signe dehors la loi, et tant mieux. Mais j'insiste, tu aurais dû rester à la ferme. J'en rêvais tant de ce voyage. Ça me change de notre ferme. Je suis heureux que vous ayez accepté de voyager avec moi. Voyager seul, c'est parfois très difficile. Ouais. Moi qui pensais que tu avais toute une bande de très bons amis.
crois bien qu'ils ont leur compte. On peut même s'en assurer. Ouais. Ils ont dû couler. Ça fera de la nourriture pour les petits poissons. Eh ben, j'ai l'impression que le choc vous a bien assommé. Ouais. J'ai un de ces mal de crâne, c'est pas croyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abattu votre cheval et vous avez fait une chute du haut de la falaise. Dans la rivière, c'est ça. Et tu m'as sorti de là. Fiston, je te serai reconnaissant toute ma vie. Que tu as sauvé, d'ailleurs. Ne vous en faites pas pour ça, d'accord? On doit avant tout sortir d'ici. Vous croyez pouvoir? Ouais, j'espère que oui, parce que je tiens pas à rester ici. C'est passé selon votre plan, sauf qu'à un moment, on est tombé sur des gars et ben, il a fallu les abattre. Ils ont eu Jack, mais ils ont terminé dans la rivière. Bon, et pour la fille, tu es sûr qu'elle ne vous a pas reconnu? Ouais, on est resté tout le temps assez loin. Elle est probablement en ville, maintenant. Bon, suis-moi. Salut les gars! Des nouvelles du convoi de bétail? Eh, hey, regardez, voilà la petite Betty! Oh, où est votre père? Oh. Et où est Tom? Père et Tom sont morts! Ils ont été abattus. Mais qui les a tués, Betty? Allons, allons, oh, racontez-nous ce qui s'est passé, Miss Betty. Bien. Nous venions de passer la plaine et soudain... Oui, et ces deux hommes ont essayé de suivre les assassins. J'ai cherché et trouvé mon père. Venez avec moi, Miss Betty. Il y en a, c'est la deuxième fois qu'il pique le bétail. Miss Betty, je vais bien prendre soin de vous. Je veux que vous considériez mon ranch comme votre maison le temps pour vous d'établir des plans pour le futur. J'aimerais aussi que vous sachiez que je ferai tout mon possible pour vous aider. Oh, je voudrais qu'on ramène le corps de... Mais bien sûr, je m'en chargerai, promis. Oh, Miss Williams, j'aimerais que vous vous chargiez d'elle jusqu'à mon retour. Sûrement des villageois. Ouais. Mort. Alors? Ce sont ses papiers, tenez. Bien. Vous nous donnez un coup de main? Ouais, alors, on va aller dans ce musée. On y va, on y va.
Oh les mains, vous deux, et restez bien calmes. Expliquez-vous et vite. Où se trouvent vos complices et nos provisions? Pourquoi avez-vous tué Tom et le vieux Mason? Vous auriez pu l'éviter. Messieurs, nous avons surpris ces hommes en train de vider les poches du vieux Mason. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on les pend! Pas de ça, mon gars. Et surveillez-les bien, vous. Messieurs, nous n'avons pas tué Mason. Et si vous en doutez, allez le demander à sa fille. Si vous croyez qu'elle est en état de répondre à vos questions à l'heure actuelle... Je n'ai pas envie d'interroger qui que ce soit, mais je suis tout à fait persuadé que cette Miss Mason pourra tout expliquer. Justement, la voilà! Miss Mason, ces hommes nous accusent d'avoir tué votre père. Oh non, Monsieur Melgrove, ce sont les hommes qui ont fait fuir les hors-la-loi, ceux qui m'ont sauvé la vie. Ah bon? Dans ce cas, je crois que nous vous devons nos plus plates excuses. C'est sûr, vous l'ignorez, mais cette ville est la pire de tout le pays. Nous n'avons ni nourriture, ni munitions. Nous sommes persécutés par une bande de terribles tueurs. Nous avons déjà tenté par deux fois d'acheminer des provisions jusqu'ici, tentatives qui se sont soldées par la mort de nos concitoyens. Et si on ne réussit pas à faire quelques provisions avant l'hiver, le piège se referme. Mais on est déjà piégés. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous résigner. Bichons le camp de cette ville. Vous savez tous que c'est la seule solution. Tout à fait d'accord avec vous. Ah oui? Et comment on va faire puisqu'on a investi tout notre argent dans le bétail qu'ils ont volé? Messieurs, j'ai encore un peu d'argent à ma disposition. Aussi, pour vous permettre de fuir, j'offre pour chacune de vos maisons 100 dollars pièce. J'ai peu de chances de revoir cet argent, mes amis, mais je prends le risque. Attendez une minute. Vous ne croyez pas qu'avant de vendre vos maisons pour quelques dollars, vous devriez essayer de vous battre pour qu'on arrête de vous persécuter? Oh, nos hommes ont aussi des familles. Ici, des morts, on en a assez. Ben, nous, on pourrait tenter notre chance. Allez chercher nos provisions et je vous paierai bien. Pas question. Donnez-nous de l'argent et je vous promets que nous ramènerons de quoi manger dans 4 jours au plus. D'accord. Venez cet après-midi au ranch, je vous signerai un mandat de 1000 dollars. Comptez sur moi. Ouais! Vous voyez le copain de Melgrove? Ouais. Il va certainement vous intéresser dans peu de temps. Et qui est-ce? Je vous prépare la surprise. Ah, je te prépare une surprise aussi, fiston. Allez! Conduis Miss Mason à la chambre d'amis. Si, senor. N'oubliez pas, vous êtes ici comme chez vous, Betty. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir avec moi. Vous croyez que ces types étaient au fond de la rivière, Danty? Pourtant, je vous jure qu'on les a descendus. Si ces casse-pieds avaient été abattus, la ville serait complètement vide à cette heure-ci. Oui, mais au moins, vous tenez la fille. En tout cas, souviens-toi de ça. Propriété privée, bas les pattes, hein? Vous en faites pas. Par contre, vous devriez dire au gars de ne pas causer devant elle. Elle pourrait comprendre qui vous êtes vraiment. On l'a inspecté tout près des fermes dans la vallée. Et Miller affirme que c'est le plus grand gisement d'or qu'il ait jamais vu. Et il est juste au milieu de tous les ranchs. Il faut se débarrasser de ces hommes et les villageois partiront. On pourra creuser et s'enrichir. Qu'est-ce que Señor, la señorita está escuchando. Jette-la dans la grange. Elle y restera jusqu'à ce que la ville soit vide. Vous n'oserez pas.
Grand-père, je vais chez Malgrove chercher l'argent. Il est venu tout seul, le pauvre gars. Qu'est-ce qu'il fait dans la cabane? J'en sais rien. Mais c'est votre chance. Et n'oubliez pas, pas de coup de feu. Salut les gars, vous pouvez me dire où est Melgrove? Oh oui, au bout de l'allée, là-bas, vous voyez? Allez, viens vite! Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens sont mes invités. Mes hommes ont reçu l'ordre d'arrêter tous les inconnus. Il s'agit d'une erreur, je m'en excuse. Oh, ce n'est rien, Melgrove. On s'amusait un peu. Voici le mandat et bonne chance. Quand partez-vous? Tout de suite. Nous rentrerons au premier rayon de soleil.
Les hors-la-loi ne s'attendent pas à ce qu'on puisse aller aussi vite. Oui, j'espère que vous dites vrai. Bon, ce ne sera pas de notre faute si on a des ennuis, hein, Jack? Ah, tu l'as dit, fils. Alors, les bandits n'y penseront jamais, hein? C'est ce que vous croyez. D'ailleurs, je prévois toujours tout, même l'imprévisible. Je croyais qu'on partait tout de suite. Ce serait de la pure folie, grand-père. Sûrement qu'ils nous attendent aux montagnes. Donc tu crois que Maigron et Danty sont dans le coup? C'est l'évidence même. Mais alors on fait quoi? En fait, ça dépend de ce qui nous arrivera cette nuit. Il faudra improviser. Je me demande où est Miss Mason. Valet, recouvre l'as, désolé. Messieurs, bonsoir. 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 Vous partez à l'aube. Il compte revenir très tôt. Où est la fille? Elle est au fond et elle refuse de se nourrir. Oui, ça lui passera. Il faudra que je lui parle demain. Miss Mason? Betty? Oh, je suis tellement contente que vous soyez venue m'aider. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Je les espionnais, ils m'ont surprise et ils m'ont emmenée ici. Melgrove et le chef. Ce qu'ils veulent, c'est s'approprier les terrains des villageois. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert un gisement d'or de très grosse ampleur et qui se trouve juste sous les ranchs. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? Bon, ils partent très tôt alors. Je ne peux pas vous faire sortir avant qu'ils s'en aillent. En attendant, tâchez de dormir un peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, debout, grand-père. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des nouvelles pour vous. Ouvrez bien grandes vos oreilles. Où t'étais? J'ai suivi Melgrove dans sa cachette. Mais ça devient intéressant. Eh bien, en fait, Miss Mason est prisonnière. D'ailleurs, j'ai réussi à lui parler. Elle m'a raconté ce qu'elle avait appris sur Melgrove et sa bande. Thank you.
n'en ai pas pour longtemps. Je vous confie la fille, mes amis, et faites bien attention à elle. Si quelqu'un vient, tuez-le. Ok, patron. Ouais. Essayez de trouver une charrette. Je vais chercher la fille. J'ai trouvé un chariot et les chevaux aussi. Bien. Donnez-moi un coup de main, on l'emmène avec vous. On l'occupe. D'accord. Miss Mason? Oui? Je viens vous chercher, ils sont loin. Ils ont piégé Melgrove. Ils sont en chemin vers la cachette. Écartez-vous de la fenêtre. Êtes-vous prête? On se retrouve au tunnel. Très bien. Hé, fiston, il y en a assez pour tenir un siège. Viens voir. Si elle est où, ma jolie? Thank you.
Regardez, revoilà les bandits. Joli travail, fiston. Mais il faut faire vite, les bandits arrivent. Prenez le cheval qui est là-bas et foncez en ville. On vous rejoint. Fiston, ce sont des bâtons de dynamite. Ça pourrait bien servir. Que s'est-il passé? Ils ont eu la fille, édentée. Continuez, grand-père! Je vais me débarrasser d'eux!
ont bloqué le défilé. On va faire le tour par l'autre côté. $1000 à qui me ramènera la fille vivante. Et voilà, grand-père. Ne manquez pas votre cible. Ce sont les vies de tous les habitants de la ville qui sont en jeu. Melgrove est leur chef. Autre chose, juste sous vos pieds, il y a le plus riche gisement d'or qu'on ait jamais découvert. Hé, les gars, là, les provisions! Écoutez-moi, vos problèmes sont terminés. Les hors-la-loi sont morts dans la montagne. Vous raconterez ça mieux que moi. Ben, vous voyez, c'était très facile. Je ne saurais jamais assez vous remercier, John. Ne vous en faites pas pour ça. C'est une mission tout ordinaire pour un marshal. Mais je dois repartir pour Sacramento aujourd'hui. Vous l'ignorez, mais vous venez avec moi. Danty est mort. Il a pris un pruneau d'un de ses copains. Chérie, vous ne nous félicitez pas? Mais laissez-moi vous présenter la future Madame John Carruthers. Attends une minute, fils, tu ne vas pas. Je sais qui tu es. Dites-le à Miss Mason. Vous êtes sûr que vous avez vraiment envie de vous... Bah, très bien. Écoute, fils, je sais ce que tu as fait pour cette ville et aussi que tu m'as sauvé la vie. Mais j'ai un métier et je dois le faire. Eh oui, maintenant, je vais t'arrêter. Non. Tu sais que je sais que tu es un des bandits au petit poing. Mais, chérie, vous m'avez vu par le trou du plafond. Exact, Mille Coyotes, oui, je t'ai... Eh bien, vous vous êtes trompé. Parce que le bandit était parti juste avant moi. J'ai trouvé ceci enfoncé dans le sol. Vous m'avez sûrement vu récupérer cet éperon, lequel appartient à Danty. Très bien, et qu'est-ce que tu dis de ça? C'est à Danty aussi, je l'ai trouvé dans sa chambre hier. C'est un des bandits au petit pois. Il y a $5000 de récompense pour lui, shérif. Je crois que vous les méritez bien. Et alors, si Danty était le bandit? Mais explique un peu, et qui es-tu? Je vais vous le dire, c'est un marshal. Oui, c'est bien l'homme de Sacramento. Non.